Oui, bien bonjour, peuple. Je voulais adresser moi à peuple et à ces journalistes, à médias, pour bien entendre que nous avons une situation catastrophique en Guadeloupe. Et tout ça, qui dit là, c'est deux sources. À base de c'est l'ARS, c'est l'OSAG, qui est l'Observatoire général de santé, l'OPA regardé, et c'est aussi Géodes. Alors comment on peut comprendre si nous sommes situés nous, de manière géographique, nous avons 8000 km. Nous avons parlé de désert médical depuis 3 ans. L'ARS a lui-même confirmé qu'il y a une carence médicale en pays là. Et il a dit que seule commune qui n'a pas une carence là, ça, en l'année 32, c'est Bemao. Il y a 31 communes qui n'ont pas à jour, qui n'ont pas éligible au niveau responsabilité médicale. Mais ça grave. Mais ça grave, rien qu'un médecin. Là où on voit que Adam, dernier résultat, il a cherché. Là, l'ARS, qui a dit que c'est 1500 mondes infirmiers qui n'y. L'INSEE, qui a dit que c'est 840 mondes. Donc l'ARS, qui a dit, ni un an, qu'elle nous surdotait. Qu'elle nous surdotait, mais qui a oublié que nous avons 8000 km déjà de la Guadeloupe. Nous avons 8000 km. En cas précisé, kilomètres là, ça pourquoi? Parce que c'est avion qu'on prend souvent malade. Et on n'est pas obligé d'arriver là, on est là, souvent, ou qu'on fait un transfert sanitaire, on n'est pas obligé d'arriver à Oli vivant, ou bien à Oasi. Donc, on a précisé ça chaque fois, que nous n'avons pas en spécificité, nous n'avons pas désert médical, nous n'avons pas manque de monde pour soigner les gens en pays là. Et on a permis de suspendre les gens parce qu'ils ont refusé. Obligation vaccinale. Et ça, très important. Trois cabinets sur un qui ouvrent. Imaginez soin là, quelqu'un manqué là. Imaginez Moun, depuis quelques temps, les pompiers peuvent confirmer ça. AVC sur AVC, crise cardiaque sur crise cardiaque. Les journalistes faisons noter ça. C'est important qu'ils n'ont pas la population. Écoutez ça, ils ont dit là. Nous pas qu'à dire ça pour nous faire nous rentrer, pour nous rentrer. Travail, hein? Là, on peut parler des populations, là, même on peut parler des moins qui n'y ont pas de travail. On peut parler des populations là qui sont en danger et des avenir à pays là. Là, on peut voir que des jeunes qui ont envie de faire infirmier, là, ils ont un problème à obligation vaccinale, là, ils ont arrêté le projet à eux. Ils ont dit, on ne fait pas faire infirmier encore. Si c'est pour eux, obligé de faire ça, ils ne fait pas faire. Si on peut imaginer encore l'absence là, quelqu'un n'y. Au niveau infirmier, qui est-ce qui vient soigner nous encore? Moun qui pas connaître qu'il tient nous, moun qui pas qu'à toucher terrain là pour savoir qui gens pour parler, qui gens pour soigner moun, c'est ça qui nous attendre parce que il a obligé nous à prendre ça nous veut pas. Alors moi encore dit que nous aille dans les sources officielles pour moun pas comprendre que là nous ici là nous raconter bêtises. C'est pas bêtises nous raconter. Population là en danger. Population là, pas soignée, ni de plus en plus de malades, ni de plus en plus de monde. Voilà l'ARS, c'est l'offre de soins pour y assurer, il n'y a pas chien assuré, il y a un ponton. Ça qu'a fait là, c'est blablater inutilement. Merci. Oui. Merci camarade.